Depuis 2017, nous avons travaillé sur un projet de restauration de prairies humides dans la vallée de l'Indre. C'est une vallée importante en Touraine qui était constituée majoritairement de prairies humides à forts enjeux pour la biodiversité jusque dans les années 60. À partir de cette période, on a assisté de manière assez massive à une conversion de prairies humides en peupleraies pour une grosse partie et en culture. Ce changement d'occupation du sol a eu un impact fort sur les populations animales et végétales, tout simplement en détruisant les milieux, et d'autre part en fragmentant le paysage, ce qui va empêcher les espèces de circuler librement dans la vallée, d'être interconnectées. Donc ce projet s'inscrivait dans le cadre de l'appel à initiative pour la biodiversité lancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en 2016. Donc son entrée est avant tout vise à la préservation de la biodiversité des milieux humides. Mais la restauration de prairies humides a un impact fort aussi pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, car ce sont de véritables stocks de carbone très conséquents et elles participent aussi au stockage de l'eau pendant les périodes hivernales et donc permettent d'assurer une meilleure adaptation des systèmes aquatiques au changement climatique.